Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance de préparation physique pour améliorer votre force de frappe. Alors, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Et pour la petite histoire, à la base, je viens des sports de combat. Je viens du judo, j'ai fait de nombreuses années en judo, 15 ans, 16 ans, tout comme ça, j'ai fait un tournoi en judo. J'ai fait du jiu-jitsu traditionnel, j'ai fait du combat libre sportif, de la lutte contact. Pour ceux qui savent pas, lutte contact, c'est du combat libre sportif mélange de boxe, pieds-poings et judo, lutte, jiu-jitsu brésilien. On travaille au sol avec un kimono manche coupée. J'ai fait du pancrace, c'est du combat libre sportif aussi. À l'époque, à mon époque en tout cas, en France, c'était mélange de tous les sports de combat, mais pas de frappe au sol. Donc voilà un peu mon histoire, je viens de ça. Et là, donc ça fait quelques années que j'ai arrêté, mais. Là, je vais vous parler de comment améliorer votre force de frappe avec une séance adaptée, donc préparation physique adaptée pour améliorer votre force de frappe qu'on va transférer à votre sport. D'accord? Donc, ce sera adapté à la boxe pieds-poings, au MMA et potentiellement au karaté. Je dis potentiellement du karaté parce que je ne suis pas expert en karaté, mais je pense que ça peut certainement aider aussi. Ok? Allez, c'est parti! Alors, la séance là ici va se couper en deux parties. On va faire un travail de force spécifique sur les grosses groupes musculaires qui vont être localisés. Je pense par exemple au travail de frappe quand on va frapper avec les jambes. Hein, quand on frappe avec la jambe, on est d'accord, il y a la jambe du sol qui va servir de transfert de force pour pouvoir projeter le bassin en avant pour ensuite balancer la jambe. D'accord? Okay, je ne veux pas détailler les gestes techniques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis sorti des sports de combat, donc je ne veux pas être dans la technique ici, mais plutôt dans le mouvement musculaire. Ici, donc transfert de force ici, les jambes, ici pour pouvoir basculer le bassin en avant afin de projeter la jambe. D'accord? Donc la réflexion ici, c'est plutôt bascule du bassin. Donc le premier mouvement, ça va être un travail de force sur ce mouvement-là, mouvement de hanche. Et pour les bras. Quand on va frapper, donc ça va plutôt sur l'extension du bras, sur la première partie en tout cas, sur l'extension du bras. Donc en direct ou en crochet, donc on va plutôt soit être sur une extension du bras. Même si on n'est pas sur un étirement, corps étirement contraction, on va être plutôt ici. Le bras va s'ouvrir pour partir devant. Ok, je parle musculaire, hein, je parle pas de geste technique boxe là. Là, le bras va s'ouvrir. Donc en direct surtout. Ok, je parle pas des jambes. Là, c'est vraiment le mouvement ici. Donc il y aura un travail de force sur les bras et après un mouvement plus spécifique. Avec élastique sur le travail de force des jambes et des bras, vous allez voir un peu plus proche du spécifique box. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis c'est en deux parties. Ok, c'est parti. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ok, vous avez vu cette première partie de séance, travail de force
sur le bassin. Je vais vraiment travailler le bassin pour l'extension de la hanche. D'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'exagère le mouvement. Normalement, sur un vrai soulevé de terre, on n'exagère pas comme ça le mouvement de bassin. Là, j'exagère parce que dans le mouvement de jambes, on va laisser la hanche partir. D'accord? Elle va pas forcément rentrer en avant, mais on va vraiment laisser partir la hanche. D'accord? On va pas la bloquer, la verrouiller. Donc, c'est pour ça que j'ai exagéré un petit peu pour vraiment sentir le coup de bassin. J'ai transféré un mouvement d'explosivité sur une jambe. Fait la même chose sur le haut du corps. D'accord? Donc, vous faites 3 à 4 séries. Vous enchaînez sur 6 répétitions à peu près. 6 soulevés de terre, 6 jambes gauche, 6 jambes droite. Pareil pour les pecs et les seaux. D'accord? Vous ne mettez pas la pression sur le terme de temps. D'accord? Vous faites le soulevé de terre, les jambes gauche, jambes droite et mouvement de jambes assez enchaînés. D'accord? 5 à 10 secondes. Le haut du corps, vous soufflez. C'est un mouvement à part. Vous soufflez, vous récupérez et vous partez pareil sur les pecs, le saut. Et mouvement de bras un petit peu en shadow, d'accord, vous enchaînez un petit peu pour travailler le cardio et transfert de force. Après, vous faites une pause, d'accord, faites 3-4 séries. Là, on va partir avec les élastiques, je vous mets en bas et en haut. Bon, j'ai 2 encres d'emporte, si vous en avez qu'une, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment faire pour que ce soit assez fluide dans la séance. Donc là, on va essayer de transférer le mouvement avec une résistance dans nos coups, un mouvement qui soit un peu plus proche du mouvement de frappe qu'on va transférer après sur le pareil sur, en shadow, ok, sur votre sac de frappe, ok, sur votre mannequin. Donc ici je mets la chevillère, j'installe la chevillère ici, j'ai une résistance qui va me permettre de pouvoir frapper mais que je vais pouvoir maîtriser, parce que quand je vais frapper ici, si je ne maîtrise pas, je risque d'être embarqué ici. Donc trouvez le juste milieu entre la résistance qui vous permet de frapper et contrôler votre retour, d'accord, parce que là ici on ne va pas être sur la frappe force pure, on va être aussi sur l'instabilité à cause du retour. Donc on va mélanger un peu les deux, donc il y a un coup à prendre. Donc là on va partir ici, hop, je contrôle mon retour, d'accord, donc je suis en garde ici, là, d'accord. Ok, pareil, 6-7 répétitions. Je mets une résistance correcte. Hein, parce que si je vais trop loin, je mets un élastique léger. Bah, je respecte quand même la distance de l'élastique. Il ne faut pas que je le pète. Donc, trouvez le juste milieu. Donc, jambe gauche, pareil, jambe droite. Si j'ai qu'une encre de porte, je fais jambe gauche, jambe droite et j'enchaîne directement au sac. Si j'ai 2 encres dans la porte, j'enchaîne. Jambe gauche, jambe droite, pareil sur le haut du corps et je ferai le shadow après, d'accord. Donc ici, hop, je prends la chevillère pour avoir une meilleure prise de main, hop, ici je tiens bien, j'aurais pu prendre la poignée, hein, juste parce que voilà, j'ai une bonne prise de main ici, et pareil, hop, vous montrez l'autre bras plutôt, ici, hop, je tiens, donc je vais enchaîner du direct ici. Je contrôle mon retour, c'est pareil, parce que là, l'élastique me tire. Je fais attention aussi, l'élastique, quand on n'est pas habitué, on a tendance à faire ça, se le prendre au visage. Donc on trouve, au début, on fait quelques mouvements un petit peu pour s'échauffer. Et pareil, donc là. Je peux partir en crochet aussi. Ici, je me mets de côté, l'élastique me tire, et là. En plus, je suis instable. Là, ça me force à rester gainé, concentré sur ma garde. Ici, d'accord. Bras gauche, bras droit. Donc là, je fais les jambes là, bras gauche, bras droit. 6-6, tous en 6 reps. 6-7 reps, et d'accord, c'est pour être toujours concentré sur le mouvement. C'est pour ça que je dis 6-7 répétitions. Je ne cherche pas une fatigue générale. 6 répétitions que je transfère sur le mannequin, ok. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Donc là, après avoir fait mouvement, donc jambes, bras, chaque fois je vais faire de façon fluide sur une trentaine de secondes, de façon fluide. Sur mon sac de frappe, sur mon mannequin. Donc entre parenthèses, si les accessoires vous posez question où est-ce que j'ai les élastiques et le mannequin, je vous mets le lien dans la description. Dans toutes mes vidéos, je mets toujours le lien dans la description de ce que j'utilise. Bah, ce qui est, si je le mets pas, c'est que
Les liens, je les ai plus, n'existent plus, d'accord? Là, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, je transfère donc mon mouvement avec mon mannequin. Donc si je fais que les jambes, ben, je vais faire un travail 30 secondes de jambes sur mannequin, les bras après 30 secondes de bras. Si je fais jambes et bras, pareil, je fais 30 secondes à 1 minute, d'accord? En shadow, tranquille, fluide. Sur mon mannequin, je prends une bonne minute de récup parce que je ne veux pas repartir en étant ici essoufflé. Je peux même prendre 2 minutes, même 3 minutes. Je ne cherche pas à la création du muscle, là, je cherche à améliorer la force. Donc, je peux prendre 2-3 minutes de pause avant de repartir. D'accord? La première série, c'est pareil. Je fais les jambes, j'explose sur mon truc. Je prends 1 minute de pause si j'ai besoin. Les bras, 1 minute de pause. Voilà, j'enchaîne tranquillement. 3-4 séries à chaque fois. Ok? Voilà, une séance typique pour travailler sa force, travailler en plus son mouvement, son instabilité qui va être aussi intéressant pour le sport de combat. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir si vraiment c'est le genre de vidéo qui vous plaît aussi. Et voilà, et si jamais vous voulez des exercices de muscu, prise de muscle athlétique, de façon athlétique, je suis toujours dans le côté fonctionnel athlétique, si vous êtes... Vous voulez savoir, vous voulez connaître des exercices de prise de muscle athlétique avec élastique. J'ai fait une vidéo, une formation offerte en vidéo. Tout est détaillé, plusieurs. Il y a une quarantaine d'exercices en vidéo. Donc, allez ici, vous cliquez ici, vous rentrez votre mail et vous recevrez tout ça directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.